Le site ArcelorMittal Florange a la particularité d'être un site relativement étendu et complexe par son positionnement géographique. Et donc, on avait besoin d'un outil performant pour permettre aux équipes sûreté d'optimiser leur ronde et leur surveillance. Alors, en termes de problématiques, on a des problématiques d'intrusion et de vol. Donc, en fait, l'avantage d'avoir un drone nous permet d'avoir une prise de vue et de prendre de la hauteur sur les intrusions et ainsi nous permettre d'avoir une meilleure vision et un très bon appui pour les équipes au sol. Donc c'est un atout indéniable pour la surveillance d'un site. Ça permet à la fois de se rendre facilement sur une zone difficile d'accès et en même temps ça offre une surveillance optimum. Azure Drone, c'est une PME française basée à Bordeaux-Mérignac et qui a conçu et développé la solution SkyTech, qui est une solution de drone 100% autonome. Nous l'avons installé ici il y a quelques mois sur le site d'ArcelorMittal. Il est opéré directement par les agents de sécurité depuis le PC sécurité du site qui se trouve à quelques kilomètres d'ici. Alors, nous utilisons le système SkyTech principalement pour faire des rondes, aussi pour faire des levées de doute, et on a la chance d'avoir un système infrarouge qui nous permet même de contrôler la nuit. Alors nous, ça nous apporte beaucoup de rapidité, parce que dès qu'on nous signale une intrusion ou si on constate l'intrusion grâce à ce drone, ça nous permet d'intervenir en sécurité. Les premiers retours d'expérience sur ce projet nous permettent de dire que c'est un succès. Nous envisageons déjà de déployer cette solution sur d'autres sites d'ArcelorMittal qui sont aussi des sites complexes, industriellement parlant. On envisage également de développer cette solution pour d'autres types d'applications que la sûreté industrielle, par exemple l'utilisation de ce drone pour de l'inspection thermique ou du calcul de cubature.